Bonjour. Ben, c'est à nous. Allez. Bon, je... Enfin, nous... Je sais pas comment le dire autrement, mais... Je suis dans son corps, en fait. Oui. Quand je respire, c'est sa bouche qui respire. Quand je me regarde dans un miroir, ben, je vois ses yeux, son nez, ses oreilles. C'est pas moi, en fait. Et vous êtes dans la peau, quoi. Non, c'est pas ce qu'elle veut dire. Elle prend pas le problème par le bon bout. Je suis en prison dans son corps. Et moi dans le sien. On a... Alors comment on fait pour s'évader? Vous voulez mon diagnostic? Oui. Oui, ce serait bien, oui. Bon, ben, je crois tout simplement que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Très amoureux. Ça vous est tombé dessus comme ça. Et l'amour, ça chamboule tout, les corps, les esprits. Enfin, c'est simple. Vous aimez tellement que vous avez l'impression d'être l'autre. Il n'y a pas dit comment. Mais tu vaux mieux que ça, mon beau garçon. Ça va, toi, en ce moment? Bah oui, pourquoi, Lucien? Mais dis donc, t'avais pas un rendez-vous hyper urgent chez le psy avec Pénélope? Ouais, mais enfin, je crois pas t'en avoir parlé. Mais si, en même temps, c'est très important. Bah, je sais pas que ça t'intéressait autant. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, l'autre soir... Mais l'autre soir, c'était avant, voilà. Mais avant quoi? Mais avant, laisse tomber, hein. Faut que tu y ailles, maintenant. Allez, ça va bien se passer. Mais tu vas où? Mais je vais au bureau, travailler. En ce cas, essaye par là. Oui. Bisous. Je vais... Ça brille? Oui, ça brille. Parce que je nettoie, j'astique. Ça me vide la tête. Et c'est quoi cette odeur? Ça, c'est du vinaigre blanc. D'ailleurs, il faut que t'arrêtes d'acheter toute sa merde. Hein. C'est beaucoup moins efficace en plus, qu'ils disent. Mais c'est une caméra cachée? Non, c'est du vinaigre blanc. C'est ça que je te dis. Mais je sais pas, tu fais le ménage, tu prépares à dîner, tout ça avec le sourire, j'hallucine. Ah oui, mais on peut changer, non? Puis tu bosses beaucoup, toi, quand même. Dentiste, c'est rude. Alors voilà, chacun son tour. Toi, tu bosses beaucoup, mais maintenant, c'est à mon tour. C'est ce que je me dis. C'est du donnant-donnant. Mais tu me trompes ou quoi? Non, pourquoi? C'est la dernière fois qu'on se voit comme ça, Pierre. Ça me dérange pas de me taper une femme mariée, tu sais. Si t'étais à ma place, tu comprendrais que j'ai pas le choix. Ah oui, mais je suis pas à ta place. Pénélope, réveille-toi, il est 15h. Ah, ah, ta tête! Ta tête, c'est ma tête! Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait quoi là? On va où? Bah, toi, tu vas chez moi. Qu'est-ce que tu cherches? Une planche à découper. Ça fait 9 ans hein, qu'on vit ici, Pierre. 9 ans déjà, t'imagines? Ça file, hein? Et toi alors? Bah, moi, je vais chez toi. Ça va, mon cœur? N'y pense même pas, j'ai une haleine de chacun là. Allez, maintenant, faut que tu fonces bosser. Tu joues au patron. T'as vu l'heure qu'il est? Tout le monde t'attend depuis 45 minutes. Je sais pas si je serais assez bonne pour tenir ton rôle, Pierre. Commence déjà par ne plus parler de toi au féminin, Pénélope. D'accord. C'est fatigant d'être toi, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mes règles. J'ai eu la peur de ma vie, moi. Est-ce que vous m'entendez, mademoiselle? J'ai une gueule de mademoiselle, moi. Pardon, madame. Oui, non, madame. Si, madame Pénélope. Eric. Oui. Oui, mon chéri. Oui. Bisous. T'appelles Eric, mon chéri? Ben, t'appelles bien Pénélope, ma chérie. Bon, alors, il est où ton bureau, là? À droite. Pardon, tout là. Excuse-moi. Ah, monsieur le collier, ça va pas? Si, ça va, c'est très bien. Allez, ça va bien se passer. Et tu vas où? Je vais au bureau. En ce cas, essaye par là. Oui. Bisous. Attention! Ma voiture sort juste du garagiste! Ça suffit maintenant! Je viens de m'excuser! Alors tu arrêtes de me briser les ovaires, on chine le constat, tu remontes dans ta savonnette!